Tiens, la balle. Allez les gars, sérieux dans vos ateliers. C'est bon, on s'arrête. Vu ce que je viens de voir, je me doute plus du résultat de la finale contre le collège d'Hydro cet après-midi. Alors, je vous attends sur le stade après déjeuner pour un dernier briefing. Et surtout, n'oubliez jamais, une équipe de foot est comme une armée. Elle ne vaut rien sans un général digne de ce nom. Et ouais, maintenant, rampez. Ulrich. Tu tiens la forme, Ulrich. Mon garçon, je vais être franc avec toi. Tu es mon meilleur atout pour cet après-midi. Les autres sont au top, d'accord? Mais chez Diderot, ils ont mis Matt comme avant-centre. C'est un méchant, je sais. Vous en faites pas, monsieur. Je serai à la hauteur. Je compte sur toi, petit. On va les pulvériser. On va les désosser. En faire de la chair à saucisse, des chipolatas, de la pâté pour chien. Eh, hey, dis donc, champion! On va s'ennuyer si Diderot ne touche pas le ballon. C'est gentil d'être venu. Bah, on était là ce matin et on sera là cet après-midi. Surtout que si, va nous dévoiler sa chorégraphie de pom-pom girl, je veux pas rater ça. Et 1, 2, 3, 4, foncez les gars, il faut les battre. 5, 6, 7, toute l'équipe d'Hydro va être détruite. Ouh! Ta-da! Au ciel, à moins qu'il soit retombé un peu fort sur ta tête. Mais si je vous dis que je l'ai vu, c'est que je l'ai vu. Je ne suis pas folle. Oh, attendez. Nous on te croit, Sissi. Même si scientifiquement, c'est quand même un peu... Si je dis avoir été témoin d'un phénomène bizarre, c'est qu'un phénomène bizarre a vraiment eu lieu. Pigé, crâne d'œuf. Un bâton de majorette, ça ne vole pas. Si une fois lancé, il ne retombe pas, c'est qu'il y a un blême et du genre sérieux. Et ça, j'en aurais le cœur net. Tiens, voilà Miss Parano. Hé, hey, Sissi, surveille ton steak frit, il risque de s'envoler. Faut qu'on se parle d'urgence. Oui, Jérémy. Je viens de repérer une tour activée dans le territoire des montagnes. Pourquoi? Vous avez détecté quelque chose d'anormal dans votre monde? Bouf, la routine. Des bâtons de majorette qui ne retombent pas, une Yumi qui s'envole à part ça. C'était très bizarre. Les lampadaires se sont mis à clignoter et d'un seul coup, j'ai commencé à flotter dans les airs. Rupture du champ gravitationnel. Résultat, un état d'apesanteur local et spontané. Tu vois un rapport entre électricité et apesanteur? Les champs magnétiques. Peut-être l'effet d'un électro-aimant extrêmement puissant dont Xana se servirait pour annuler l'effet de l'attraction terrestre. Et ça serait dangereux? Pas si ça reste limité dans le temps et l'espace. Mais à plus grande échelle, voyez le bâton de Sissi, il n'est jamais revenu. On ne peut pas prendre de risques. Il faut aller sur Lyoko et désactiver la tour. Ce sera sans moi. Oh, tu plaisantes? Non, je suis très sérieux. Je vous rejoins dès la fin du match. Tu nous laisses tomber pour... un match de foot?
J'y crois pas. Hé, réveille Ulrich, on parle de protéger le monde sans compter Aelita qui risque d'être en danger et toi tu préfères aller courir derrière une babale. Oh, tu m'as entendu, Jérémy. Je ne peux pas, point barre. Hé, mais dites quelque chose, vous. Ils nous laissent tomber. Écoutez, je suis désolée. T'es désolée? Ouais, bien sûr. C'est la gloriole, hein, c'est ça? Tu préfères te taper la frime que d'aider tes amis, hein? Lâche-lui les crampons, il a ses raisons. Ses parents assistent au match cet après-midi. Dis donc, t'as déjà vu son père? Avec lui, si t'es pas premier en tout, t'es un zéro pointé. Alors quand tu vois les bulletins d'Ulrich, tu comprends que le seul moyen qu'il ait pour faire plaisir à papa... C'est le match de foot. T'as tout compris? C'est pour ça qu'il s'entraîne comme une bête depuis des semaines. Pour lui, aujourd'hui, c'est un peu le match de sa vie. Mais il n'aurait pas pu tout simplement nous le dire. Ulrich, lui, se confier. Bah, y a pas à s'en faire. Ulrich, il va le gagner son match. Et pendant ce temps, on sauvera le monde. C'est qu'une question d'organisation, tout ça. Et puis quoi, moi, je suis là, non? Allez, les gars, c'est le grand moment. En exclusivité pour le journal du collège. C'est le grand jour, le grand moment, la finale du tournoi inter-quatrième. Bien que l'équipe soit au mieux de sa forme, l'issue du match repose presque entièrement sur les épaules de notre avant-centre, Ulrich. Alors espérons qu'il soit à la hauteur. Mesdames et messieurs, place au match. Tu m'entends? Aelita! Je suis là, Jérémy. Xana, ça y est, il attaque. Il est en train de prendre le contrôle des réseaux électriques de la ville. Et pour quoi faire? Ça, je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Je vais lancer des programmes espions. Des flux de données aussi denses, ça laisse forcément des traces dans le réseau. Bingo! Ça, c'est du Xana tout craché. Lourd et prévisible. Ulrich au sommet de sa forme, mais ce qu'il nous montre là est bien au-delà de tout ce qu'on espérait. Et c'est un premier but pour l'équipe de cadets qui ouvre la marque après tout juste 3 minutes de jeu. Ah, je crois qu'on peut dire que notre Ulrich a mangé du lion. Il est lourd, mais il est rapide. On n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes en place? Non problème. Bon, faut pas traîner. D'ici quelques minutes, Xana pourra créer des champs magnétiques bien plus puissants. Transfert Yumi. Transfert Rod. Scanner Yumi. Scanner Rod. Virtualisation. La tour se trouve à 30 degrés à l'ouest. Faites vite! Je les vois, je te laisse. Nous voilà à 2-0 et bientôt 3 si Ulrich continue sur sa lancée. On se demande d'ailleurs qui pourrait l'en empêcher. Il est drôlement beau quand il court. Oui, merci Tamiya pour ce commentaire éclairé sur la finale. Oh non, il est déjà sur le collège. Ça y est, j'ai compris. Éclaire-nous, Einstein. Si on n'avait pas été alertés par les incidents de ce matin, on se serait tous rendus au match. C'est là que Xana voulait nous piéger. Et je vous le donne en mille. Il fait converger toutes les énergies sur le bâtiment des sciences. Alors on met les gaz ou Ulrich aura des chances de finir son match hors de la stratosphère. Vous en êtes où? Pas de monstre pour le moment. Mais on est encore très loin de la tour. Oh non, c'est la galère. Faut que j'arrive à gagner du temps.
D'accord, Xana. Moi aussi pirater un réseau, je sais faire. Oh non, non, arrêtez-le! Extraordinaire! Attaquant et défenseur, Ulrich est à tous les postes! Go, Ulrich! Go, go! Avec ce programme, je vais pouvoir contrer les assauts de Xana sur le bâtiment des sciences. Tu me reçois, Ulrich? Fin de la première mi-temps sur un score sans appel, 2-0 pour Kanik. Nous allons tenter de recueillir des commentaires à chaud sur cette superbe prestation. Ulrich, est-ce qu'on peut qualifier cette finale historique de punition pour le collège Diderot? Et est-ce qu'on pourrait avoir des autographes? Diderot est en finale, ça prouve qu'ils savent jouer. Maintenant, comme dirait Jim, c'est la motivation qui apporte la victoire et aujourd'hui, je crois que je... Ouais, bravo, Ulrich! Enfin que nous sommes tous décidés à gagner. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je voudrais bien pouvoir souffler. Oh. Je t'en prie, Ulrich, réponds. Qu'est-ce que tu veux? Ulrich, ça fait un quart d'heure que j'essaye de te joindre. Désolé, je joue pas le portable à la main. Écoute, Ulrich, je sais que... Enfin, Odd m'a dit... Bref, je sais que ce match est important pour toi, mais là, j'ai un souci. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails techniques, mais Xana veut mettre le collège en orbite. Répète. Je te jure, il lui manque encore de la puissance, mais... et il va aller la chercher dans le générateur du bâtiment des sciences. Tu dois vérifier que plus personne ne s'y trouve. Hé, Ulrich, on y retourne. J'arrive, pas de panique, vieux. Ils sont tous au match. T'en es certain? Madame Hertz n'est plus là. La poisse! Elle est sans doute en salle de chimie. Faut que tu ailles voir, t'entends? Allez, 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 allez. Ulrich! Oh, ne me demande pas ça! Jérémy, ne me demande pas ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis navrée, Ulrich. Il faut que tu quittes le terrain. Désolée, il n'y a que toi qui puisse intervenir, vieux. Oh, c'est à n'y rien comprendre. Le public s'interroge. On dirait qu'Ulrich parle tout seul et qu'il a décidé d'arrêter de jouer. Et la pression, sans doute. C'est la vie de notre prof qui est en jeu, Ulrich. Notre équipe vient d'encaisser son premier but. Même Matt a du mal à croire qu'Ulrich ait pu le laisser marquer. Ulrich, qu'est-ce que... Tais-toi, Jérémy, tais-toi, je t'en prie. Je t'aurai. C'est ce qu'on va voir. Oh non, c'est pas vrai. La malchance s'acharne sur notre équipe. Ulrich est tombé victime d'un tacle de Matt. Eh oh, ça va, je l'ai même pas touché. Il a raison. Oh, Ulrich! Non, c'est pas possible! Tu ne peux pas me faire ça, Ulrich! Laissez-moi, monsieur. Oh là là, quel désastre! Ma petite Tamiya, notre attaquant vedette, quitte le terrain, touchée au genou. Tout à fait, Millie, une perte irremplaçable. J'y crois pas et j'en aurai le cœur net. Je vais sortir, moi aussi. Surveillez tout ce qui se passe en mon absence, compris? Et la chorégraphie? Sans Ulrich, elle ne servira pas à grand-chose. Et si jamais on marque, t'auras qu'à me remplacer. Tu danses si bien qu'ils n'y verront du feu. Jérémy? Objectif en vue, le comité d'accueil n'a pas l'air méchant. Le problème devrait être réglé rapidement. Ok, je devrais pouvoir neutraliser Xana. Mais quelques minutes, pas plus. Alors faites ça en vitesse. Faut se grouiller. Attaque en tenaille dans 10 secondes. C'est parti, Yumi. Ils ont gagné des neurones.
Bon, il n'en reste qu'un. Négatif, on a une nouvelle escadrille de Frolio en approche. Ok, on va changer de tactique et tenter de faire diversion. Hop, je t'ai rechargé 20 nouvelles fléchettes, mais j'ai peur que ce soit insuffisant. Flèche laser! À toi, Yumi! Je viens de quitter le stade. Oh, merci, Ulrich. Ce que t'as fait, c'est... Je sais. Bon, je fonce en salle de chimie. Oh, faut qu'on agisse, là. Tu sais que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, ça dépend du nombre d'ennemis, non? C'est bon, Ulrich. J'ai créé mon propre champ électrique pour faire un court-circuit. Mais Xana va sans doute reprendre le dessus rapidement. Fais bien attention, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Jérémy, je viens d'entrer, il se passe rien du tout. Oh. 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 Je confirme, ça craint. Il faut que tu tiennes quelques secondes, Ulrich. Dès que tu auras Madame Hertz, je lancerai un contre-champ. Pour qu'Elita puisse passer. Ah, Yumi, oh, ça va? On a vu plus cool. Jérémy, c'est bon, j'ai Madame Hertz. Ramène-nous au sol, vite! C'est parti! Le contre-champ fonctionne! Ulrich? Désolé pour la familiarité, Madame Hertz! Eh oh, Ulrich! Jérémy, qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas! Je maîtrise plus rien! Fais gaffe, Ulrich! Fais gaffe! Oh! Ulrich, réponds-moi! Je te tiens. Ulrich, qu'est-ce qui se passe ici? Cherche pas à comprendre. Jérémy, t'en es où? Ça y est, je peux reprendre la main. Vas-y. Ça va secouer. Eh, oh, fais-moi plaisir, Jérémy, dis-moi que ça va se calmer. Je voudrais bien, mais c'est mal parti, vieux. Faut t'attendre à quelque chose de mouvementé. Oh, Yumi, qu'est-ce que vous fichez? C'est l'enfer! J'ai presque plus de fléchettes, la télékinésie épuise Yumi, et plus j'abats des prolions, plus il en vient! Oh, oh, j'y vais. Ulrich, si tu voulais bien m'expliquer ce qui se passe. Pas question, porte et boucle-la. Hein? Eh, hey, Jérémy, c'est quoi ça? Ben, j'en sais rien. Bon sang! Xana a au moins 50 centrales sous son contrôle! Ulrich, quoi qu'il arrive, ne quitte pas le bâtiment. Tu m'entends? Restez à l'abri. D'égaliser sur ce pénalty généreusement accordé. Le stade. Oh non. Ah!
fini de pleurer, faites-moi signe. Alita, oh c'est pas vrai. Oh, alors c'était un leurre. T'es génial. Ouais, 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 ouais. Ulrich. Ulrich, je suis fier de toi, tu sais. Au mieux de sa forme, l'issue du match repose presque entièrement sur les épaules de notre avant-centre, Ulrich. Ouais, vas-y, Ulrich, champion du monde! Bah oui, mais duquel? Des deux, mon Jérémy, des deux!